généralement, problème qui a passé à l'intérieur même de l'université en Haïti, il n'est pas différent de ce qui a passé dans la rue. Et c'est grave. Et ça montre une autre fois encore que non seulement nous perdons, ça nous déclare l'élite politique là, je dis à partir de ce qui a passé à l'intérieur même de l'université d'État d'Haïti, ça prouve pour une autre fois encore nous perdons, ça nous déclare l'élite intellectuelle là. Donc, l'en considérer bataille qui existait entre rectorat et décanat de l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïves, nous poser tête nous question. Qui ça au fond problème nan yé? Est-ce que moi-même comme étudiant moi au courant de lui? Non, c'est tendé nous tendé. Donc c'est des problèmes et qui gagnent, c'est problème restructuration etc., etc. Oui, nous d'accord. Il y a un problème. Il y a un problème vraiment. Mais est-ce que ces gens rectorat veulent faire là? Est-ce que c'est pour ça pour le faire? Nous dit non. Présence nous la matin, hein? Nous pas ni défendre rectorat, nous pas venir là ni pour nous défendre exeg. Nous venons là pour nous défendre avenir comme jeunes. D'ailleurs, nous comprenons la bataille là. Bataille jodi à là, nèg yo a fait c'est de manière à ce que dans les jours à venir, petit yo qui a accès pour étudier à l'étranger, c'est pour petit yo venir diriger et puis nous-mêmes pour que nous restions dans crasse de côté nous jodi à là. Nous dit non, ça pas qu'à faire. Et aujourd'hui, on est dans la première phase du bataille. Prochaine phase là, nous prenons l'autre bagaille. Ouais, je dis à là, nous faisons de manière pacifique. Je voulais dire, monsieur Damio, ça, école de droit, il réunit entre 18 000 à 20 000 étudiants. Je dis à nous faire appel avec quelques représentants disciplines. Je réponds présent matin dans 4 sitting ça. L'autre phase là, c'est tout 18 000 ans qui a mis dans la rue. C'est tout 18 000 ans qui a venu camper là pour l'homme. Il n'y a pas qu'à détruire l'avenir. C'est même 18 000, 20 000 ans qui a pris le bonheur et qui a pris le même bagage là. Pour nous dire que, arrangez-vous, nous sommes pressés pour que vous résoudre le problème. Nous même nous ne pouvons pas passer pour cobaye. Nous clair sur ça. Nous ne pouvons pas passer pour cobaye. Et Fanzi, tout prétexte que nous avons évoqué, en fait, il n'y a pas qu'à besoin rien. Comment vous comprenez? Nous avons fait face avec une crise sanitaire. Nous connaissons la question du corona. Nous connaissons la question du pays. Quand on a là, le rectorat sorti en note, des notes qui sont sorties. Moi-même, qui n'ai pas campé sur rien. Lorsque vous demandez nous pour refaire en 3 mois pour compléter l'année académique, là, ben, nous savons très bien que le monde a été bouleversé par une crise sanitaire qui est le coronavirus. Et nous avons pris un exemple pour. Les dirigeants, ou du moins recteurs universitaires, 2004, nous connaissons, 2010, nous connaissons avec Goudou Goudou. Donc, c'est tout le monde, toute entité, toute institution qui a fait en sorte que nous pressions pour nous boucler l'année académique. Non. Mais je ne sais pas qu'on a là. Si vous dites pour une réforme, la réforme, c'est aller recomposer pour faire 3 mois. Et d'ailleurs, ce n'est pas de réforme, je ne sais pas que c'est dans 3 mois qu'il a fait. Et d'ailleurs, nous-mêmes qui là, nous sommes très clairs. Nous disons que, bon, j'ai besoin de faire notre fait. Nous avons dit, bon, nous avons fait 3 ans, nous avons fait 2 ans, nous allons faire concours d'admission. Et puis, nous avons commencé avec deuxième année, nous avons souci pour boucler le cycle d'études. Mais dit que vous avez fait 3 mois, vous pensez que ça va très soin. Et voilà que nous-mêmes, nous là, maintenant là, nous voulons souligner notre bagage. Bon projet pour craser l'université de l'État. Par contre, c'est comme ça. Projet pour craser l'université de l'État. Chaque nègre qui acte en bataille ou qui a fait jodi là, que dans le rectorat, que dans l'EDZEC, tout nègre qui a une université privée. Bon projet pour craser l'université de l'État. Parce que vous connaissez nous-mêmes qui l'a compétité de soi, nous ne pouvons pas payer l'université privée. De ce fait, nègre besoin de craser l'avenir nous. Parce que vous avez dans nous deux nègres qui ont poussé barrière pour petit. Donc, vous interdit étudier aujourd'hui. Nous disons non, ça n'a pas de fait. L'université, l'État, il doit fonctionner dans toute normalité. Et puis, le problème qui pose aujourd'hui entre rectorat et EDZEC, il n'y a pas seulement Chita là. C'est toute entité dans l'IH qui a le même problème. Non. Faut que vous ne fassiez pas ça. Si c'est politique que vous faites, que vous faites politique. D'ailleurs, nous connaissons déjà son société qui parle ou est jeune. Malgré nous représenter 63% de la société, donc, vous ne parlez pas comme jeune.
De ce fait, nous disons que l'université, l'État, pas privatisé, il n'est pas crasé. Et ceci, prochaine phase là, nous mettons des piments dans la bataille là. Ça me fait ajouter, nous dit que responsable UEH là, il a arrangé pour que vous voyez un signal, pour que vous ayez un bon modèle pour nous suivre. Parce que le recteur a sorti notre politique en entente. Alors que Edzeg Relin vient dans le séminaire, vient d'examen. En tant que c'est que le recteur a dit, il a entendu pour que le cours reprenne le 24 mai qui vient là. Alors que Edzeg, que nous directement lié avec elle, dit nous séminaire a fait, nous avons parlé à la séminaire qui a déroulé, c'est ça qu'on a que nous n'avons pas aussi grand nombre que nous devrions. Maintenant, Edzeg Relin vient dans l'examen et nous n'avons pas parlé, si nous parlons, c'est abandon, c'est absence, c'est remettre pour nous. Nous avons demandé que pour les responsables, mettez-vous à la hauteur pour gérer la crise là. Pour que vous cohérent dans ce que dit. Si vous avez entendu, vous avez senti ça avec vous, c'est même bagaille que vous dit. Donc, il faut que vous mettez à la hauteur pour gérer la crise là, sans que nous-mêmes nous pas payer pour casser. Nous-mêmes étudiants, nous juste soumettons nous à toute obligation que vous faites. Vous dites nous composer, vous dites nous aller dans le séminaire, vous dites nous étudier, nous étudier. Nous sacrifier vie, nous passer toute zone de nous, nous connaître. Pour aller dans la Tibonite, nous dépenser l'argent, nous dépenser comme dans l'hôtel pendant 3-4 jours, manger, risquer vie, nous risquer mourir tout. Donc après nous faire tout sacrifice ça yo, nous pas arrêter ça que nous pas responsable de ça qu'a fait là. Donc pour autant nous tenir à dire on va reconnaître évaluation nous. Donc c'est nous qui sorti pour payer pour casser. Nous pas capable payer pour casser parce que nous pas responsable en conséquence responsable. Donc c'est ça nous devons dire, nous devons ajouter. On va ajouter quelque. Nous pas penser d'abord. N'a petit avec l'université université d'État d'Haïti à que nous ouais quoi déjà. Parce que même restructuration ça qu'elle était proposé la fête dans Jacques Mel. C'est une tendance qu'elle te gagne pour augmenter l'argent l'école là. Mais c'est même bagage ça qui besoin d'une fin dans Gonaïve. Ce n'est pas une question de restructuration vraiment qui est ça. Dès que ça, quand notre collègue se dit, il y a un projet pour écraser la faculté de l'État. Parce que nous-mêmes, petites malheureuses, c'est là que nous sommes capables d'entrer. C'est là que nous sommes capables d'étudier un domaine scientifique quelconque. Qui donc, il y a trop jeunes. Tu vois, petite malheur à prendre l'île dans le pays, ya? Et bien, à fond, j'en pour limiter la quantité de monde qui a dû prendre l'île. D'ailleurs, comme je m'a dit clair, ignorant pas de l'OS avant. Ignorant pas de l'OS avant. Et M. Terek, à quoi ça m'a dit bien. C'est-à-dire, depuis que je manque de compétences, depuis que je veux avancer, je toujours battu pour le bloquer. C'est une bagage qui fait, je dis, je ne pas de jeune. Parce que tant que jeune, dans un pays qu'on lit, il y a un ensemble de bagages. Ensemble des gens ne peuvent pas faire nous, ils ne peuvent pas prendre nous comme subalternes. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas prendre nous comme subalternes pour nous ouvrir des barrières pour nous. Mais c'est problème ça a eu avec l'université d'État, surtout ETSEC, qui toujours formé en pile jeune chaque année. Eh bien, je ne dis pas que ETSEC a formé trop de monde, et bien, on veut mettre en fait dans ça. Et n'a pas dit que c'est comme ça. Phase 4 vignes, pas comme ça. S'il pas dégagé, il faut respecter les droits nous comme étudiants qui ont étudié, ni sciences juridiques ou bien économiques, quel que soit le domaine qui est lié, eh bien, bagala pas bon pour lui. Bagala pas bon pour lui, ça c'est la prochaine fois, c'est pas comme ça nous avons. Ok, c'est ça nous avons fait. Soulignez vous même ça que. Nous déjà victimes déjà en tant que jeunes dans le pays. Parce que si nous pas de victimes, nous ne pas prendre au point pour aller étudier jusqu'au naïf. C'est parce que l'État va créer autant d'universités pour petites malheureuses dans le pays d'Haïti. C'est l'une des raisons que nous sacrifions vie nous. Pour nous aller jusqu'au naïf, nous payer machine pour nous proposer, nous payer machine pour nous dans le séminaire. Parfois, les pays ont un pile problème côté que banditisme pour un pays. Nous avons pile gros sacrifice pour nous derrière pour nous proposer. Automatiquement, c'est lui-même. Mirez-le, nous pour nous proposer, nous pas capable de proposer. Bien que vous n'avez pas de bon, nous obligés à faire sacrifice pour nous aller dans le droit pour nous proposer. Nous avons des rectorats pour le presser pour des jeunes en tête dans ton choc à bouler entre lui-même avec Edzeg. Parce que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, petites malheureuses, petites malheureuses, nous n'avons pas rien pour nous avec question ça. Parce que nous respectons tous les normes que la faculté a lui-même exige de nous. Nous disons que nous suivons pour nous, nous suivons pour nous. Yo dit nous que faut que t'as proposé, n'a proposé, le monde nous séminaire dans le séminaire. Eh bien, si le rectorat lui-même a un problème avec Edzeg, eh bien, on va pas s'en traiter ça. Mais nous-mêmes, en tant qu'étudiants,
nous n'avons pas rien pour faire avec la question du rectorat et des canards et des aigles. Nous-mêmes, en tant qu'étudiants, nous voulons faire le rectorat qu'on est aujourd'hui. Bataille là pour le changer de phase. Aujourd'hui, c'est un petit avant-goût nous baille. Nous baille un petit avant-goût. Mais c'est toutefois que nous pas pressé pour se jouer une entente entre eux. Nous-mêmes, ensemble, étudiants et des et déjà nous connaissons la bataille étudiants par Jean-Pitti. Nous pourrons mobiliser toute force nous pour nous bailler une bonne réponse. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas principales victimes d'une crise qui va même concerner nous parce que nous sommes des étudiants. Et c'est en tant qu'étudiants, nous respectons tous les normes parce qu'ils sont lui-même exigent nous. En fait, sous point ça, nous avons dit que faut en tant que pressé. Parce que le rectorat a pas après nous un côté et le tech a pas après nous l'autre côté. Le rectorat a dit qu'on s'arrête le jeune entente avec le tech. Pendant ce temps que chaque fois que nous sommes notes, le tech nous l'autre note pour contrer 10 à 10. Et puis nous-mêmes, en tant qu'étudiants jusqu'à nos jours, nous avons un côté nous garde. Et nous avons une inquiétude. Parce que c'est un bagage qui est grave. En fait, j'aime ce petit là, j'ai tout quoi les gars là. Doit nous en tant qu'étudiants pas violer. Faut qu'on respecte doit nous. Et si on pas respecte doit nous, nous même en tant qu'étudiants, n'a viré bataille la phase pour qu'on respecte doit nous. C'est ça nous devons nous aujourd'hui devant le rectorat. Merci. Première étudiante, on va constater la séquence d'activité devant le rectorat de l'Université de l'État d'Haïti. Étudiants qui ont fait le message passé, qui ont fait l'éducation passé. Et maintenant, là, nous présentons pour nous faire vivre et comment ça est. Nous sommes les aigles, nous tout qui là, nous sommes les aigles, et t'es pas bon à vivre.